Alors, bonjour à tous. On est aujourd'hui donc en direct sur Vitalité Québec dans la série Les Midi Vitalité. Je me présente, je m'appelle Aurore Bonvalot, je suis la directrice des médias sociaux pour le magazine. Et aujourd'hui, je suis très très heureuse de recevoir Laurence Sala, naturopathe agréée et chroniqueuse pour Vitalité Québec depuis de nombreuses années dans la section périnatalité. Bonjour Laurence. Bonjour Aurore, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler avec toi, Laurence, évidemment, d'un sujet qui est ton cheval de bataille depuis des années et qui touche énormément de femmes encore aujourd'hui, peut-être même encore plus aujourd'hui, donc qui est la fertilité et la fertilité sacrée. Alors à toutes les personnes qui nous écoutent actuellement et qui vont nous écouter également en rediffusion, vous pouvez poser des questions à Laurence, donc celles qui sont présentes avec nous aujourd'hui dans la section converser ou dans le chat. On va prendre les commentaires et les questions au fur et à mesure. Et si c'est en rediffusion, vous pourrez toujours les poser sous la vidéo et puis Laurence ira regarder de temps en temps, il pourra vous répondre au meilleur de ses connaissances. Alors on va traiter évidemment donc de plusieurs aspects. J'aimerais d'abord que tu nous dises un petit peu ton parcours de vie, puisque tu as une histoire assez singulière, assez touchante d'ailleurs, et qui t'a amené finalement à faire ce que tu fais aujourd'hui. Oui, complètement. En fait, moi, je suis née avec deux passeports. Là, j'ai un accent français, mais ma terre maternelle, en tout cas, c'est le Québec. Et je suis arrivée il y a à peu près 8 ans, presque 8 ans. Et en fait, j'ai fait une maîtrise en communication. J'ai travaillé presque 10 ans dans le milieu des grandes corporations, en fait, en Europe. Et quand je suis arrivée au Québec, j'ai voulu retourner là-dedans. C'était juste pas ma voie. Puis c'est ma tante qui m'a dit, mais va voir ma naturopathe pour gérer ton stress. Je dis ok, je ne savais même pas ce que c'était moi, une naturopathe. À l'époque, je n'avais pas eu la chance d'être en contact avec des médecines holistiques quand j'habitais en France. Et là, j'ai découvert un monde incroyable. 3 mois plus tard, j'étais sur les bancs de l'école. Et en parallèle de ces études en fait, en naturopathie à Montréal, j'ai eu en fait, des difficultés de fertilité avec mon conjoint. On a fait plusieurs fausses couches. Et ça a été tout un parcours. Puis à l'époque, personne n'avait les réponses, autant les médecins que les naturopathes. Là, il y avait vraiment une absence d'information. Et en plus, quand on est dans des parcours comme ça, c'est la question du pourquoi. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai? Et quand on n'a pas de réponse, en fait, qu'on te met dans cette belle case d'infertilité inexpliquée, c'est hyper rageant, en fait, parce que t'as besoin d'avancer. En tout cas, moi, j'avais besoin d'être dans l'action. Donc, j'ai dit très bien, je prends toutes mes connaissances, en fait, en naturo, puis je vais ficeler ça à mon parcours de vie, en fait. Donc, j'ai fait deux premières fausses couches en 2013 et 2014. Et là, la deuxième, ça a été comme fini, parce qu'on m'a dit, bah, c'est pas parce que tu manges de la papaye que tu vas réussir à devenir maman. Je dis merci. Mais en attendant, vous me proposez quoi? Donc moi, c'est la colère m'a drivée, en fait. Puis merci à ce médecin qui m'a dit ça, parce que les 6 mois qui ont suivi, ça a été hyper intensif pour moi. J'ai vraiment pris. En fait, j'ai reconnecté avec mon corps. Franchement, je me dis, avant, là, je dormais. Je dormais, j'étais zéro connectée à ce qui se passe, à comment je digère, etc. Il y avait comme. Je me posais pas de questions, en fait, à ce niveau-là. Et donc, j'ai pris ces 6 mois-là et en fait, j'ai eu Anna, donc ma fille, il y a 6 ans. Et entre-temps, depuis, on a eu aussi un petit garçon qui est décédé malheureusement à 18 semaines de grossesse. Puis ça a été un gros coup de dur, en fait, pour moi, pour nous. Parce que là, il y avait comme une incompréhension. J'étais déjà naturopathe. Donc là, c'était tout le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Mais là, qu'est-ce que j'ai raté, en fait? Et au moment de la perte de Raphaël, il y a une gynécologue qui était présente, extraordinaire, qui m'a testé, en fait, ma génétique. Et on a vu que j'avais des mutations génétique qui explique mes fausses couches à répétition. Fait que ça a été un gros parcours de dire, mais en fait, attends, j'ai déjà une fille, mais j'ai quand tu regardes ma méthylation, ma génétique, je suis condamnée à ne pas avoir d'enfant, en fait, et même faire attention, en fait, à mon stress oxydatif, à faire attention à ma santé en général, parce que je suis plus propice, en fait, à développer certaines pathologies. Ce qu'on ne savait pas dans les antécédents familiaux, là, à l'époque, on n'avait pas ces informations-là non plus. Et la réalité, c'est que je remercie Raphaël de son passage, parce que grâce à ça, moi, j'ai plongé dans la biochimie métabolique, j'ai plongé dans la génétique et j'ai réussi à détourner, en fait, ma génétique, donc à deux reprises, pour Anna, il y a 6 ans, mais aussi pour Gabriel, il y a 2 ans. Donc, je sais à quel point prendre sa santé en main, au naturel, on est capable là. On est capable. Si j'étais capable, tout le monde est capable. Pour moi, c'est comme il y a un enjeu. Donc, c'est sûr que mon parcours de vie personnel m'a amené à cette spécialité professionnelle, parce que pour moi, c'était inconcevable que tous les parents qui désirent en fait le devenir puissent l'être en fait et puissent être accompagnés. C'est un monde
où il n'y a pas beaucoup d'humanité. C'est quand même la casquette de numéro revient quand même très souvent. Donc, ça manque de ressources à 200%. Donc, pour moi, ça a été un enjeu d'aller au-delà de mon parcours de vie, mais de pouvoir accompagner ceux qui le désirent à devenir parents. Ouais. Exactement. Quand on lit sur ton Facebook, moi, je me souviens, je regardais beaucoup, puis je voyais à chaque fois les miracles, parce que moi, je pense, j'appelle ça comme un miracle que tu arrives à faire avec toutes ces femmes qui sont condamnées par la médecine, partout, et que finalement, en changeant certains axes, en utilisant la naturopathie, ben, elles tombent enceintes, ces femmes-là. Oui, il y a des super belles histoires, et puis ça va faire 6 ans cet automne que je pratique, puis... merci la vie, mais j'ai accompagné beaucoup, beaucoup de couples dans ce parcours-là, au point que là, j'ai créé en 2021 une clinique parce que je n'arrive plus à suivre la demande, en fait. Donc, c'est une réalité, là, l'infertilité. Donc là, j'ai 2 naturopathes qui sont à mes côtés et qui travaillent et qui œuvrent avec moi pour qu'on puisse offrir la chance de travailler en équipe aussi avec ces cliniques de fertilité, parce que pour moi, ce n'est pas noir ou blanc. Je n'inventerai pas une fécondation in vitro. Ça prend parfois ce chemin-là. Par contre, on peut optimiser l'implantation embryonnaire. En tout cas, on peut faire plein de choses qui vont venir travailler main dans la main, en fait, avec l'équipe, que ça soit d'ailleurs multidisciplinaire, pas forcément juste médical, mais aussi ostéo, acupuncteur, etc. Donc, ouais, pour moi, c'est plus des miracles. Je sais que la science est derrière ça et qu'on peut aller là. Puis, chaque année, il y a des apprentissages. Chaque année, il y a des cas plus difficiles que d'autres, en fait. Puis, je me souviendrai toujours l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais même appelé ma meilleure amie gastro. J'avais dit, écoute, cette femme-là, je n'y arriverai pas. C'est comme, c'est pas possible. Sclérose en plaques, colite ulcéreuse, pardon. Ablation du côlon. Si c'est sûr, on va avoir besoin de fécondation in vitro, puis ça va être très surveillé, etc. Puis elle m'a dit, ah, non, c'est sûr. Et si elle m'a accouché là, au mois de février, de son petit garçon, grossesse naturelle, on y est arrivé. Donc pour moi, quand je vois ça, je me dis, mais ok, mais merci. Alors oui, on a travaillé serré avec son gastro, enfin elle avait son équipe quand même, c'était une grossesse à risque, hein, ça c'est sûr. Mais la fertilité naturelle a été possible pour cette femme. Puis je me dis, ben, ok, même avec des grosses pathologies à droite, à gauche, parce que on a chacun notre chemin de vie, on a chacun nos bagages, nos antécédents familiaux, qui se sont activés ou pas d'ailleurs, mais on peut y arriver. Pour moi, c'est au-delà du miracle, en fait, même, j'ai envie de dire. Justement, tu parlais de l'état de la fertilité et de l'infertilité. Donc, est-ce que tu as des statistiques un peu au Québec ou dans le monde? Oui, en fait, au Canada, c'est 1 couple sur 6 qui consulte en clinique de fertilité. Donc ça, c'est des gens qui ont essayé pendant 1 an d'avoir des rapports sexuels et de tomber enceinte et qui n'ont pas réussi. Donc ça, c'est quand ils sont rendus à prendre rendez-vous, en fait, en clinique de fertilité. La réalité, c'est que les fausses couches à répétition, par exemple, ne sont pas dedans. Moi, j'y suis pas dedans dans ce 1 couple sur 6. Donc moi, je suis... C'est comme mon avis très personnel là-dedans, mais pour moi, ce chiffre, il est sous-estimé. J'en suis convaincue. 2 sur 6, j'en sais rien, mais il y a un besoin qui est très, très clair. Puis on s'aperçoit, ce que j'ai comparé quand même dans mes 2 pays de cœur, l'Europe et le Canada, l'Amérique du Nord, on va dire, c'est sensiblement le même taux, en fait, d'infertilité qui est aux alentours de 17%. C'est un chiffre qui va faire que grimper, malheureusement, là, de par le rythme de vie qu'on a, de par l'alimentation, les toxines environnementales, les mutations génétiques. Il y a plein de choses qui sont en cause, reliées à la fertilité. Alors oui, c'est une triste réalité, puis je sais que la fertilité masculine est un enjeu en tant que tel, parce qu'il y a tout un volet psychologique aussi et de virilité, en fait, derrière ça, mais sincèrement, les derniers chiffres montraient que c'était 1 couple sur 2. Parmi ceux qui consultent en clinique de fertilité, 1 couple sur 2, ça serait d'origine masculine, en fait. Donc, les spermogrammes, les fragmentations ADN, on en voit passer de toutes les couleurs, malheureusement, puis c'est une triste réalité sur laquelle on œuvre, en tout cas pour pouvoir y répondre. Disons que ce n'est pas des miracles et des cas isolés. C'est ça que je veux faire passer comme message, parce que très souvent, ça me dit « ah oui, c'est un hasard ». Non, c'est vraiment pas du hasard. J'ai détourné ma génétique. Il n'y a pas plus scientifique que ça. Je veux dire, c'est comme… On ne peut pas jouer sur ces mots-là, en fait, en tout cas, avec la naturopathie agréée. Exact. Alors, tu l'as un petit peu mentionné, il y a plusieurs causes. Quelles sont les causes les plus fréquentes, selon toi?
Alors, nous, on voit beaucoup, beaucoup passer d'infertilité inexpliquée parce que c'est une case, malheureusement, où on n'a pas de réponse, puis on veut chercher, en tout cas, être dans l'action. Endométriose, syndrome d'ovaire polykystique, c'est en recrudescence, comme moi, j'ai jamais vu depuis 3 ans. C'est l'endométriose, là, prend de l'expansion, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis après ça, y a, certes, on peut mettre la thyroïde aussi, thyroïde foie surrénale. C'est comme les 3 organes, là, qui sont les plus récurrents. Ce sont, en fait, des glandes qui travaillent ensemble, qui sont en charge du système hormonal. Puis, ben, si on n'en prend pas soin, si on vit dans un... Si on vit tous dans un environnement de toxines environnementales, après, l'idée, c'est pas de venir complètement angoissé de l'univers dans lequel on vit, c'est juste comment on navigue dans cet univers-là. Donc, comment on arrive à prendre soin quand même de nos enveloppes corporelles. Fait que toxines environnementales, pour moi, ont un enjeu, mais qui est encore sous-estimé, parce que quand on fait des études, ils regardent, mettons, l'aluminium. Ok, super. Mais l'aluminium, combiné au cuivre, combiné à plein d'autres choses, donc au mercure, etc. Donc, et ça, les méta-analyses, on en manque encore aujourd'hui. Là, on ne sait pas en fait à quel point. Donc, ça, pour moi, c'est toxines environnementales, c'est les systèmes digestifs et immunitaires qui sont à l'envers, en fait, complètement. J'ai envie de dire, on mange n'importe quoi là. Je veux dire, il y a une incidence. On ne peut pas dire, ah ben non, c'est pas parce que. Après, c'est sûr, j'ai une clientèle qui ne va pas au McDo non plus tous les jours là, mais on s'entend que on est dans un univers où on est tenté quand même d'aller vers plus du sucre, d'aller vers du fast-food, etc. Donc, oui, ça aussi, c'est un impact en fait sur la fertilité. Donc, moi, ce que je vois le plus souvent, sincèrement, c'est syndrome d'ovaire polykystique, endométriose. Ça, c'est les deux grosses hypothyroïdies. C'est les 3 grosses pathologies. Les mutations génétiques, en fait, ne sont pas encore assez étudiées. En fait, en Europe, c'est obligatoire. Ça fait partie des bilans en fait de fertilité. Ils vérifient est-ce que tu as une mutation MTHFR qui est le plus connu en fait parmi plusieurs gènes. Mais au Canada, malheureusement, ils ne testent pas. Moi, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Et depuis le 1er janvier 2018, ils ont arrêté de tester en fait ils ont arrêté de faire cette prise de sang. Donc, pour moi, on attire ce qu'on est. Donc, c'est sûr que j'en ai beaucoup dans ma clientèle aussi de ces mutations génétiques. Puis fertilité masculine, bah, ce qui est souvent très très mis en cause, c'est cigarettes, potes, cigarettes et alcool, pardon. Et alcool, évidemment, aussi, qui a un impact. Mais des gens qui ne buvent pas, qui ne fument pas, ni tabac, ni potes. J'en ai vu des fragmentations ADN aussi qui, malheureusement, étaient par terre. Puis je me souviendrai toujours cet homme-là de 28 ans, 30 ans. Spermogramme magnifique, mais la fragmentation est un deuxième test qui est optionnel. C'est pas tous les médecins qui emmènent là, en fait. Et ça nous permet de voir la qualité à l'intérieur du spermatozoïde. Donc, est-ce que l'ADN a été abîmé? Est-ce qu'il va bien pouvoir se reproduire, en fait, une fois que ça sera un blastocyte, là? Et ça a un vrai impact sur la croissance du fœtus parce que ça peut mener à des fausses couches. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, bah, par exemple, cet homme-là, hyper sportif, donc jeune quand même, pas d'alcool, une bière aux 2 semaines, histoire de dire, mais c'est tout, pas de tabac, pas de potes, bah, c'est la pire fragmentation que j'avais jamais vue, c'est 68%. Donc là, les médecins ont dit, bah, c'est fini, ça va être don de sperme, puis il y avait des enjeux du côté féminin aussi. Donc, on était comme fécondation in vitro, mais avec don de sperme, puis c'était pas sûr que ça fonctionne, avec des gros problèmes de thyroïde. Et en fait, j'ai dit à Nicolas, j'ai dit, donne-moi 3 mois, tu refais une fragmentation ADN et on verra, en fait, tu vois. Puis j'aurais tout donné. Puis, ben, écoute, si c'est la naturopathie a une limite, c'est que ça prend du temps. Et ça, des fois, on a l'horloge biologique, hein, qui tourne là. Donc, on veut un bébé pour hier, mais en même temps, il faut prendre soin de son corps. Puis, en naturo, c'est minimum 3 mois. C'est 3 à 6 mois. Laissez-nous travailler avec vous parce que les résultats, quand vous avez une insémination dans 4 jours, ben, on n'est pas capable, en fait. On n'a pas ce pouvoir-là, en fait, dans les suppléments. Ça prend du temps. Donc, j'ai dit à ce monsieur, j'ai dit, donne-moi 3 mois, puis on voit ce qui est là, on refait une frague, puis les gentils commentaires, vous allez droit dans le mur, sont passés. Et on a fait 3 mois de protocole quand même assez costaud, parce que la spermatogénèse est de 3 mois. C'est pour ça que j'ai demandé 3 mois. Et à la fragmentation ADN qui a suivi, il était à 17%.
Wow. On est passé de 68 à 17%. Donc, c'est quand même énorme. Et d'ailleurs, sa femme va accoucher là, au mois de juin, de leur petit, avec leur propre gamète. Donc pour moi, c'est comme... Ouais, pour moi, je suis en mission. C'est pas, je ne travaille pas, je suis en mission de vie, Aurore. on le ressent d'ailleurs. J'imagine qu'il y a toujours la même émotion hein, quand tu accompagnes ces couples-là et puis que finalement, ils arrivent à tomber enceinte. Enfin, la maman arrive à tomber enceinte. Ah, moi, c'est mon plus beau salaire. C'est les échographies qu'on m'envoie, c'est les photos de leurs enfants, même quand ils grandissent. Là, quand ils ont 3 à 4 ans, je suis comme, oh, je suis rendue à accompagner deuxième grossesse, troisième grossesse. Je suis comme, OK. Donc oui, c'est mon plus beau salaire. Puis l'émotion, elle est toujours là, en fait. Toujours, toujours là. Puis c'est sûr qu'avec la pratique, ben, les cas sont de plus en plus difficiles. Puis, parce qu'en même temps, c'est une vraie réalité. Mais je sais qu'on peut le faire, en fait. C'est, en fait, pour donner à peu près des taux, là, parce que peut-être que ça m'intéresse. C'est certain, mais avant mes 2 premières années, quand j'étais vraiment pas du tout dans le milieu de la clinique de fertilité, parce que c'est des gros protocoles quand même, donc mes 2 premières années, c'était 99% de succès. Donc c'est quand même beaucoup plus, 1% c'était des couples qui se sont séparés, donc voilà, c'est un chemin de vie. Et quand j'ai embarqué sur la clinique de fertilité, parce que je travaillais pendant 1 an et demi chez OVO, là, on est sur du 80%, à peu près 80-85%. Là. Donc, ce qui est déjà très beau. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours en me disant, ah, le 15-20%, pourquoi? Mais c'est ça, c'est ce qu'on peut accompagner. En tout cas, c'est notre réalité aujourd'hui. Ouais. Alors, tu l'as un petit peu mentionné, il y a différentes solutions, évidemment, naturelles. Je pense notamment donc, à l'alimentation, les plantes, les huiles essentielles aussi qui peuvent aider dans tout ce processus-là. Explique-nous un petit peu. Alors, en fait, l'enjeu, c'est de savoir quelle stratégie. Parce que pour moi, ce n'est pas de donner une liste de 10 suppléments, puis hop, on essaye tout ce qu'on peut. Parce que moi, ce qui m'énerve dans la fertilité, c'est prendre un peu de Vitex et du framboisier. Je suis comme, hey, une minute, il n'y a pas juste du Vitex et du framboisier. Puis moi, ce n'est pas les cas où ça marche. Donc, si jamais il y en a qui ont entendu ça, là, faites très attention. Le Vitex, ce n'est pas conseillé si votre prolactine est trop élevée, par exemple. Framboisier, attention, parce que... étant la plante des lignées, en fait, si votre lignée de femme, avant, il y a beaucoup de traumas, beaucoup de non-dits, ça peut, en fait, enclencher, mais là, je rentre dans l'émotionnel, mais ça peut enclencher aussi des fausses couches parce que c'est un tonique utérin vraiment puissant. Donc, attention sur ces 2 outils qui sont un peu plus plébiscités. Mais moi, l'enjeu, c'est vraiment la stratégie. Donc, c'est-à-dire que la première consultation, elle est déterminante parce qu'on va passer à travers tout, mais tout, là, tout le volet physique, émotionnel, en fait, des enjeux de la fertilité et en fait de la personne, parce que c'est plus qu'un utérus, c'est plus qu'un appareil génital masculin, là. On va bien au-delà de ça. Donc, cette stratégie-là, c'est de dire, OK, où ça coince? Est-ce que le système nerveux est vraiment trop enclenché, donc la cascade hormonale ne peut pas se faire? Est-ce que l'immunité s'emballe? Parce que ce n'est pas vital d'être enceinte. C'est quand même d'avoir un cœur qui fonctionne, des poumons qui fonctionnent. Donc est-ce que l'immunité, à chaque fois, n'est pas capable de reconnaître en fait, du non-soi, donc ce bébé? Et donc, c'est tout un enjeu, c'est un langage en fait, de cytokines qui va se passer. Moi, j'aime bien dire que c'est une prise d'escalade que l'immunité fait pour l'embryon. Puis, bah, s'il est en train de se battre contre une inflammation X ou Y, bah, ça ne sera pas le moment de faire un bébé. La prise d'escalade se détache, en fait. Donc, fausse couche. Fait que pour moi, c'est vraiment cet enjeu-là. Et une fois que cette stratégie, parce qu'il y a des étapes, je rappelle, la naturopathie prend du temps. Il y a des étapes. Je suis une ancienne stratège en communication. Donc, pour moi, ça me prend des objectifs, un plan d'action, des KPI, là, comment on appelle ça en français, de permettre de voir est-ce que ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné, tu vois, donc, parce que ça arrive, donc qu'on regarde ça. Fait que moi, ça me prend cette stratégie-là. Puis, une fois qu'on est dans une étape de ce plan stratégique, qu'est-ce qu'on veut utiliser? Et au final, 6 ans plus tard, je m'aperçois que les meilleurs protocoles qui fonctionnent plus rapidement, c'est un doux mélange entre les plantes, huiles essentielles et leur taux moléculaire, donc tout ce qui est vitamine. Mais des protocoles qui sont 100%, mettons, vitamine A, complexe B, etc., magnésium, c'est pas ça qui va marcher le mieux. Et pareil, si on fait que des plantes, que des huiles essentielles, ça marchera pas non plus. En tout cas, c'est mon recul là après mes 6 ans. Mais alors que la combinaison en fait de ce doux milieu, de ce doux mélange en fait entre la science et cette
cette puissance, cette sagesse en fait des plantes dont on n'a pas toujours les preuves scientifiques comme on attend. Quand on mélange ces deux-là, c'est là où la magie opère en fait. Donc oui, c'est hyper puissant. Il y a des plantes qui ont été prouvées bien sûr, mais il n'y a pas de budget là pour faire des études randomisées. Puis en naturopathie, parce qu'il y a eu des questionnements, notamment sur le reishi. En fait, moi je suis très très champignon dans mes protocoles. Le reishi, il y a eu à un moment donné une envie de faire une étude un peu plus poussée. Et en fait, c'est compliqué parce qu'en naturopathie, on ne donne jamais un seul supplément. Jamais, jamais, jamais. Moi, ça va être 3, 4 parce qu'il y a aussi une réalité budgétaire hein, derrière ça. 3, 4, oui, l'alimentation, bien sûr, mais je sais malheureusement qu'aujourd'hui, l'alimentation ne suffit pas. Je n'ai pas le même discours si quelqu'un va prendre son café au Tim Hortons tous les matins. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est la base. Oui, bien sûr, c'est super important. Puis ça, c'est la nutrithérapie est une clé géniale, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Fait que les suppléments, mais autant de plantes, de phytothérapie que d'orthomoléculaires ont toute leur place en fait en fertilité. Ouais. Puis ce que je trouve super intéressant que tu dis, c'est qu'effectivement la science et la naturo peuvent se marier ensemble. T'sais. Puis ça, on l'a beaucoup, beaucoup répété depuis les 28 années qu'existe le magazine Vitalité Québec. Oui, effectivement, on fait tout pour se soigner le plus naturellement possible, mais on n'est pas contre la médecine. T'sais, à un moment donné, il faut que les deux travaillent ensemble. Puis tu es un super bel exemple comme quoi ça fonctionne quand on travaille main dans la main la science, la naturo. Ouais, ça, et encore une fois, on va les honorer. Moi, j'inviterai, enfin, je suis incapable de faire une insémination, là, je veux dire, c'est leur job. Il y a oui, on est rendu là, puis en endométriose, c'est quand même costaud. Donc, c'est la pathologie où moi, j'ai un peu plus de. Parce qu'il y a d'autres enjeux émotionnels et slash énergétique sur cette pathologie-là, mais sur l'aspect physiologique, moi, j'y suis pas arrivée en naturel. On a eu besoin de fécondation in vitro, en fait, dans les cas d'endométriose. Mais ce travail main dans la main, moi, c'est ce qui me plaît le plus. J'ai eu la chance, en fait, d'être aussi supportée, entourée par trois médecins, trois gynécologues, urologues, et les trois étaient fertologues. D'avoir pu avoir cette discussion-là autour de cette fameuse table ovale, de pouvoir amener une étape plus loin, en tout cas d'ouvrir des esprits en fait, mais ensemble, parce que j'ai eu la chance d'aller dans les laboratoires. Moi, pour moi, j'ai été un an et demi en contact avec cet univers des cliniques de fertilité. C'est là où j'ai le plus appris. Parce que quand on voit, quand on discute, je veux dire, il n'y a aucun rapport. Moi, j'ai vu les embryologistes, là, et une fois qu'ils ont pris les ovocytes, les spermes, ils m'ont montré la rencontre. Et j'étais comme, on envoie plein de belles ondes. C'est comme, oui, mais c'est un bébé qu'on est en train de créer. Et c'est là où je vais ramener le sacré, parce tu l'as nommé au tout début, mais on est en train de faire des bébés, c'est pas des bébés, enfin, c'est pas juste des éprouvettes. T'sais, un peu de conscience sur ce qui est en train de se jouer, parce que c'est un enjeu physique, émotionnel. Et énergétique et spirituelle parce que devenir parent, tu le sais, Aurore, c'est sport, tu sais, c'est quand même une transformation là. Donc puis il y a parfois une désillusion entre les années de fertilité, puis hop, je suis enceinte, et l'accouchement et le juste après. Et oui, il y a un cap, et oui, peut-être que tu attendais une fille et que c'est un garçon, tu sais, il y a tous ces enjeux là là. Ben oui, font partie d'eux. On verra ça rendu là quand vous y serez, tu vois. Tant mieux, vous avez votre bébé dans les bras, mais plus on se prépare en amont, plus c'est doux en fait ce postpartum, cette transformation du père et de la mère. Parce que pour moi, oui, c'est la naissance d'un enfant, mais c'est aussi la naissance d'une mère et la naissance d'un père. Et à chaque accouchement. Parce que là, pour le coup, c'est comme. Moi, je m'étais dit, oh, c'est bon, je sais ce que c'est là. Tu parles. Et puis, ce n'est pas du tout les mêmes accouchements, ce n'est pas du tout les mêmes enfants, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Pour moi, on fait des sauts quantiques à chaque accouchement, en fait. Donc, moi, je dis souvent à mes clients, je voudrais accoucher à ta place. Tellement j'ai aimé ça. Et pourtant, j'ai souvent dit, j'ai eu un accouchement traumatique à ma première et un accouchement dans ma pleine puissance à la maison, à ma deuxième. Et je retournerai demain accoucher à la place de mes clients, tellement c'est une transformation intérieure qui est puissante. Oui, bien dit, c'est exactement ça. Alors, tu l'as un petit peu mentionné, donc la fertilité sacrée. Donc, tu as un site internet où on peut lire cette phrase d'ailleurs sur ta philosophie. Votre corps est un sol fertile qui ne demande qu'à fleurir, cultivons-le ensemble. Explique-nous un petit peu cette philosophie. Mais pour moi, c'est quand on veut construire en fait une maison, ça prend des fondations, ça prend des bons matériaux, ça prend de la structure, ça prend de l'organisation. D'ailleurs aussi, le chef de chantier, il a sa stratégie à lui, hein, il ne va pas commencer par le toit là. Enfin, je veux dire, il a son plan.
C'est la même chose en fait en naturopathie. Puis pour moi, tu sais, on est quand même composé à 70% d'eau. Donc il y a une influence réelle, tu sais, de venir semer cette graine, de lui apporter l'eau dont elle a besoin, lui apporter ces matériaux-là. Très souvent, au début de ma carrière, je disais, mais non, on ne veut pas un pont Champlain qui va s'écrouler là. Tu sais, on veut des poutres solides. Donc ça prend des vitamines, ça prend des minéraux, etc. Parce que c'est pas vrai que c'est j'arrête la pilule, ben, en tout cas pour ceux que ça arrive, tant mieux là, mais tu sais, j'arrête la pilule et je tombe enceinte. Ou je suis sur pilule et je suis tombée enceinte. Fine, tant mieux, j'ai envie de dire. On veut pas là, que les gens aient des problèmes de fertilité. Mais la réalité de moi, ce que je vois, c'est pas celle-là en fait. Donc pour moi, c'est viens prendre soin de ton corps, ton cœur, ton esprit en fait, à travers ce processus-là. Parce que je sais que c'est difficile, je le sais, j'ai tellement pleuré. Mais aujourd'hui, je suis capable de dire que tout ça, que chacune de mes fausses couches, que la mort de Raphaël, que l'accouchement traumatique de Anna, ce sont des cadeaux. Des cadeaux. Et c'est sûr que là, j'ai quelques années de recul. Au moment où j'y étais, je pleurais, je criais à l'injustice. Et toutes les cousines qui accouchaient, à la date où moi, je devais accoucher de mon Raphaël, ça a été extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, je sais que c'est des cadeaux parce que ça m'a permis de tourner le regard vers l'intérieur plutôt que de toujours dire ah c'est la faute des autres, c'est la faute du médecin, c'est tu sais, de toujours mettre ah c'est la faute de ma grand-mère qui avait l'endométriose. Non, mais attends une minute, c'est comme qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment tu le vis, comment tu te sens, est-ce que tu prends soin aussi de tes émotions. Pour moi, il y a un enjeu et une responsabilité aussi vis-à-vis des enfants qui vont venir, de pouvoir en tout cas leur apporter le moins de bagages sur leurs épaules pour qu'ils puissent vivre leur propre chemin en fait. Donc tout ça pour moi englobe cette fertilité sacrée-là, c'est cette prise de conscience que si ça arrive au moment de la fertilité, de l'accouchement, de la maternité, c'est qu'il y a quelque chose à en tout cas, aller plus en profondeur. Moi, j'aime bien dire, c'est comme si la petite voix à l'intérieur de nous, elle est off. Et que là, on est invité à la tourner à on. Et là, de plus raisonner avec son mental et tu sais, cette fameuse phrase, arrêtez de stresser, madame, vous allez tomber enceinte, là, merci, mais c'est pas juste ça. Mais d'aller tourner cette petite voix intérieure, en fait, cette intuition, et de dire, OK, il y a quelque chose qui cloche. C'est comme ça, en fait. Hein. J'ai eu un doute sur les métaux lourds. Personnellement, sur mes deux premières fausses couches, j'étais comme métaux lourds, ma lignée maternelle vient de Thetford-Mines, donc la région de l'amiante. J'étais comme bon. Puis moi, j'avais reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de médications dans ma vie d'adolescente. Donc j'étais comme, ouais, on va faire une détox de métaux lourds. Moi, c'est comme ça que j'ai eu mon intuition de dire, je me mets là-dessus. De toute façon, ça me fera juste du bien, en fait. Et aujourd'hui, j'ai l'explication scientifique, c'est qu'une accumulation de métaux lourds vient ralentir, en fait, ta roue de la méthylation. Donc c'est comme quatre roues d'engrenage qui travaillent ensemble, qui ont pour but, entre autres, la réplication cellulaire, donc la croissance du fœtus. Et cet engrenage-là, donc cette méthylation, peut être ralentie par des mutations génétiques, ce qui est mon cas, et peut être encore plus ralentie par l'acide folique, au passage, juste notre méthyltétrahydrofolate, super important, et peut être ralentie par les métaux lourds. Donc, en fait, en ayant allégé mes quatre roues d'engrenage, c'est comme ça que j'ai eu ma fille. Et puis, après, avec toute cette recherche génétique, c'est là où j'ai tourné une dent, que je dis, OK, c'est pas juste les métaux lourds, là, parce que là, c'était fini. C'était plus l'enjeu de bien faire marcher ces roues d'engrenage-là. Mais c'est ça. Pour moi, Raphaël est venu m'apporter ce cadeau-là. À chaque fausse couche, j'ai enlevé une couche supplémentaire. C'est comme des couches d'oignons, là, puis on les défait au fur et à mesure. Puis, plus on arrive au cœur, en fait, plus on arrive à la pureté du cœur, en fait, et à cette guérison, en fait, à la fois pour soi, mais aussi pour les 7 générations qui viennent. Alors justement, tu as développé une dizaine de cohortes qui sont basées sur la femme qu'on est, la femme Amazone, femme lionne, louve, résiliente. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept? Oui, exact. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, j'en ai eu marre, Aurore. Pour être très honnête, c'est que j'en ai eu marre de ces personnes qui venaient chercher une pilule miracle. Parce que ça n'existe pas en naturopathie une pilule miracle. Oui, ça demande des efforts. Oui, ça demande des changements de vie. Oui. Puis c'est pareil en médication, là, ils sont tannés hein, de donner tout le temps des produits miracles. Alors, moi, j'en ai eu marre de ça et je me suis dit, c'est pas possible. Un, je me suis sentie, moi, hyper seule dans mon chemin suite à l'accouchement de Anna. Ça a été comme un réveil complet de mais je suis qui?
C'est quoi, ça veut dire quoi être femme? Et là, il va falloir que j'enseigne à ma fille c'est quoi être femme. Ah, super, mais moi, je sais pas. Donc, c'est vraiment venu me chercher dans cette transformation de la mère. Donc, il y avait un devoir de transmission, de revenir justement à cette voix on, à ce radar intérieur et de dire mais je suis qui? D'où je viens? Puis, ça veut dire quoi être femme? Parce que Simone de Beauvoir, là, elle a super bien dit, c'est on ne naît pas femme, on le devient. Donc moi, je me suis sentie hyper seule. J'ai été chercher 50 milliards d'outils à droite, à gauche. J'ai vu des thérapeutes à n'en plus finir parce que j'avais besoin de cheminer, j'avais besoin de trouver c'est qui cette femme. C'est derrière, il n'y a pas juste la naturo, là, il y a Laurence dans son entièreté avec ses différents rôles. Et oui, par moments, je suis dans ma femme Amazone, dans ma femme Liane, et il y a eu des moments de vie où je suis allée plonger dans ces archétypes-là. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai construit, à la base, c'est un livre qui un jour sortira. Il sortira, je le promets. Mais j'ai voulu, en fait, je me suis dit, c'est pas possible que je reste avec ce beau panier d'outils, d'exploration dans lesquelles j'ai été pour moi toute seule. C'est comme, j'ai besoin de le transmettre, j'ai besoin d'offrir ces espaces-là parce que je suis loin d'être la seule. En fait, nos mères et nos grand-mères, elles ont fait ce qu'elles ont pu avec les outils qu'elles avaient. Elles étaient, en tout cas pour la génération de ma mère, c'était vraiment la libération de la femme avec la contraception, etc. Tu sais, avec leur soutien-gorge à la main dans les rues de Montréal là, pour manifester. Ce qui n'est pas notre cas, nous, on est arrivés avec la contraception, on était déjà là. Donc, on revient à autre chose, en fait, et là, on plonge dans cet univers de féminin sacré. C'est à quel point de regarder à l'intérieur de soi et de dire, OK, mais j'ai tellement un pouvoir incroyable, en fait. Chez les Mohawks, on dit que notre utérus est relié à l'univers, à la Lune, par un fil d'argent. Et qu'on est intuitivement connecté à la Lune, puisqu'on est composé 70% d'eau et que la Lune influence les marées et les océans. Donc, c'est une légende qui est nommée, que moi je trouve puissante parce que si je suis capable d'enseigner à mes filles et donc aussi de transmettre à ces femmes-là ensemble, de grandir ensemble sur c'est quoi être femme, puis qu'est-ce qui te dit ton radar intérieur? Est-ce que là, tu as besoin d'aller connecter à cette femme Amazone en soi, ou est-ce que tu as plus envie d'aller libérer ta lignée parce que tu sais qu'il y a des bagages lourds, des non-dits, des secrets? Même si on n'a pas accès aux informations, en fait, on peut y arriver autrement déjà, puis il y a plein de façons de faire pour pouvoir aller toucher ce transgénérationnel. Donc, c'est 13 archétypes, c'est 13 cohortes, c'est 13 rôles, en fait, de la femme que moi, je suis allée explorer déjà, parce qu'on ne peut pas transmettre quelque chose si on ne l'incarne pas pleinement. C'est impossible. C'est comme, ça ne marche pas. Et que moi, j'ai compris que ma mission, elle est au-delà de la fertilité. La fertilité était un passage pour moi, mais ma mission, c'est d'accompagner la guérison des femmes. Alors, la guérison des femmes émotionnelles, elle se passe, oui, par des soins chamaniques aussi, mais elle se passe aussi par ces 13 cohortes-là. Et ouais, puis on a eu la chance d'en vivre déjà deux. On en vit une troisième là qui arrive le 28 mai. Et là, ça sera vraiment sur la libération des lignées, un sujet qui me tient super à cœur parce qu'il y a trop de nœuds émotionnels, en fait. Moi, j'aime bien dire, là, je vais vous le montrer en avant-première là. J'ai fait un arbre généalogique, mais en fait, c'est un arbre gynécologique. Donc, en fait, de remonter, s'aligner, de dire, OK, est-ce qu'il y a eu des traumatismes au niveau masculin? Est-ce qu'il y a eu des traumatismes au niveau féminin? Est-ce qu'il y a eu des fausses couches? Est-ce qu'il y a eu de l'endométriose? Est-ce qu'il y a des non-dits? Puis parfois, on n'a pas accès à ces informations-là, puis c'est correct. Encore une fois, il y a plein d'outils qui existent. Mais pour moi, c'est un devoir pour soi, pour accéder à une paix intérieure, mais c'est un devoir pour mes filles et cette génération de petits-enfants qui seront là, donc d'aller tourner ce volume à on et de dire, OK, je vais me connecter à ma puissance de femme. Puis s'il y en a qui trouvent ça hyper weird et qui est flyé, etc., c'est regardez juste à l'intérieur de vous. La question à se poser, c'est est-ce que je me sens femme? À quel moment dans ma vie je me suis sentie femme pour la première fois? Est-ce que c'est un premier rapport sexuel? Est-ce que c'est les menstruations? Est-ce que Ich, en fait, je me sens toujours pas femme. En fait, moi, je suis devenue femme en accouchant. Mais ça, c'est mon parcours de vie. On n'a pas besoin d'accoucher pour devenir femme. Mais voilà. Donc moi, ça a été mon parcours personnel depuis l'accouchement d'Anna. Et en même temps, en parallèle de ça, de voir à quel point des fois ça bloquait aussi sur des stratégies naturopathiques. Le physique, la science n'explique pas tout. Donc, de se rendre compte que oui, les nœuds émotionnels et énergétiques ont une place autant importante que le physique, en fait, dans la fertilité. C'est pour ça que je dis que c'est un cadeau. Aller toucher à ce blocage, qu'il soit physique, émotionnel, énergétique, mais aller toucher à ça, parce que c'est accéder à plus de liberté et de paix intérieure, en fait.
Exact. Alors, je voudrais juste qu'on regarde rapidement l'archétype de la femme fertile, hein, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Il y a quatre grandes parties au programme, donc comprendre l'approche scientifique, découvrir l'approche émotionnelle, explorer l'approche énergétique et nourrir la femme fertile. Et puis, il y a différentes rencontres avec des professionnels aussi qui ont lieu pendant ce programme-là. Exact, parce que pour moi, tout repose sur la sororité, l'entraide en fait entre femmes. On est tous porteurs d'une médecine différente, puis on a beaucoup à s'apporter mutuellement. Alors, pour moi, c'était hyper important d'honorer les filles qui ont marché avec moi sur mon chemin. C'est toutes des femmes que je connais intimement là. C'est pas ah j'ai entendu parler de quelqu'un, ça serait bien, ça serait chouette, puis ça serait stratégique de la mettre là. Non, non, c'est des gens que avec qui ont marché, qui m'ont emmené une étape plus loin en fait dans mon parcours de femme. Donc ça, c'était super important pour moi de les honorer dans chaque cohorte. Et la cohorte de la femme fertile, je vais en profiter par ce live en fait de vous annoncer qu'elle aura lieu cet automne. C'est comme le 20 septembre, on lance la cohorte de femmes fertiles. Ça sera pour 4 semaines parce qu'elle est attendue, je le sais. Mais moi, j'avais besoin de prendre mes marques avant de donner en pleine puissance cette cohorte-là. Et oui, on aura ces quatre aspects-là en fait parce que je veux pouvoir emmener les femmes à plonger autant dans une approche physique, émotionnelle, spirituelle, et d'avoir des outils concrets. Ok, mais je fais comment? On s'entend que ce n'est pas un plan stratégique personnalisé en fonction de la personne. C'est deux choses complètement différentes pour moi parce qu'en consultation, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'être dans les transmissions, justement dans ce relationnel de femme à femme, en fait. Oui, il y en a un, mais ce n'est pas la même chose en fait, parce que j'ai pas le temps, moi, en consultation, d'expliquer pourquoi l'immunité est au cœur de la fertilité. Alors oui, il y a eu des masterclass, ça a intéressé, c'est magnifique, mais ce n'est pas que ça en fait. Donc pour moi, c'est important qu'on prenne 4 semaines et qu'on aille à l'intérieur de nous en fait et d'aller regarder ça et qu'on soit en parcours de fertilité naturelle ou assistée. J'aime pas dire le mot assistée, mais j'ai pas trouvé mieux. Mais en tout cas, aidée par une clinique de fertilité, par des médecins. Peu importe en fait, parce qu'on peut très bien aller en insémination ou en fécondation in vitro, en transfert en fait, en conscience. Tu sais, on va pas juste là. Tu sais, pour moi, des couples qui partent, parce que j'ai eu ça dernièrement, c'était aux États-Unis ou République tchèque. En tout cas, non, États-Unis avec le Covid. Avec États-Unis, la femme partait toute seule pour son transfert. Je dis non, ça marche pas. On fait un enfant à deux. Alors, tu sais, c'est tout la prise de conscience de dire ok à l'homme, ben oui, mais prends un avion. C'est pas parce que l'embryon il est déjà prêt que ta femme va vivre toute seule le stress du Covid, le stress du transfert, etc. Donc, tu sais, c'est toute cette prise de conscience, en fait, dans laquelle on peut amener un peu plus de sacré. Tu sais, je pense à quelqu'un qui a pris des ovocytes d'une donneuse, d'accord? Donc, un don d'ovule. Ben, tu sais, c'est intéressant d'aller écrire une lettre, même si on ne la donnera jamais parce qu'on ne saura pas, c'est anonyme. Donc, tu sais, d'écrire une lettre à cette femme, à cette donneuse d'ovocytes, de lui écrire, de la remercier, en fait, d'avoir donné son corps quand même, parce que c'est une femme qui a pris des médicaments, hein, qui est allée faire la ponction, etc. Donc, oui, elle a été payée certainement, mais c'est quand même beau comme geste. Donc, d'aller écrire une lettre à cette femme-là, de la remercier, puis de brûler la lettre et de dire, voilà, ça. J'en remets à plus grand que moi, en fait, t'sais, sans rentrer dans une religion X ou Y, parce que je suis zéro religieuse, par contre, je suis très spirituelle, effectivement. Mais pour moi, d'amener de la conscience et du sacré dans la fertilité, c'est ô combien nécessaire pour ces petits bouts qui arrivent, en fait. Parce que l'enracinement sera beaucoup plus facile pour ces enfants-là. Beaucoup plus facile. Rien à voir. Rien à voir. Donc, je vous souhaite, en tout cas, de tourner ce regard vers l'intérieur. Exact. Alors, et tu as aussi ton projet Luna, hein, donc un forfait finalement où on choisit trois archétypes de femmes. Dévoile-nous un petit peu, Luna. Ben, en fait, Luna, ça regroupe ces 13 cohortes-là, ces 13 archétypes-là. Sauf que je me suis retrouvée avec cette demande, ouais, mais c'est hyper dur à choisir parce que effectivement, on est ces 13 archétypes en fait. Donc ça venait de perturber. Puis là, l'enjeu était de choisir. Alors, je me suis dit, OK, on fait un forfait pour trois cohortes. Comme ça, les personnes peuvent accéder à plusieurs archétypes en fait dans lesquels elles ont envie de plonger. Puis il y a des plans de paiement jusqu'à 12 mois. J'ai voulu rendre ça quand même accessible, en même temps honorer et trouver le prix juste. C'était tout un enjeu pour moi. Mais pour moi, Luna, c'est vraiment je viens me relier
à ma femme, déjà, à la femme de qui je suis, mais je viens me relier aux femmes, en fait, dans ce qu'on appelle le féminin sacré, d'avoir cette reliance-là, au-delà de je ne connais personne, je ne sais pas ce que je vais dire dans un cercle de femmes, etc. En fait, on se rend compte que on vit toutes. En fait, y a une chanson qui dit ça, c'est Nous sommes une. Il n'y a qu'une rivière qui coule à travers toi, il n'y a qu'un océan qui coule à travers moi, nous sommes une. Et pour moi, c'est vrai, on a cette reliance des menstruations, hein, entre nous, là, on est toutes menstruées, en tout cas, avec des enjeux parfois, mais on a ce fil rouge, en fait, qui nous permet de créer cette toile, cette reliance-là, pour pouvoir aller une étape plus loin, en fait, dans qui nous sommes et dans cette liberté et paix intérieure. Alors, on a quelques petites questions. Alors, avant de te les poser, j'aurais juste qu'on aborde ta boutique en ligne parce que tu as Oui. quelques produits absolument fabuleux. Tu m'as fait parvenir d'ailleurs la ceinture de lune. Je ne sais pas si tu l'as avec toi ou en tout cas, on peut la Ouais, elle est retrouver sur là. Elle Ah, est super. ici. Qui est d'une Ouais. très très belle qualité, de beau tissu. Explique-nous un petit peu l'histoire derrière cette ceinture-là. En fait, je vais prendre la boutique en général parce que moi, je suis allée chercher des outils. Comme j'ai dit là, j'ai cheminé pendant des années, aller chercher 50 milliards d'outils. Il y a des trucs qui n'ont pas marché, il y a des trucs qui n'avaient comme aucun sens. Et d'autres, ça fait partie de ma vie et je ne les lâcherai pas, quoi. Et en fait, j'ai voulu mettre en place cette boutique-là avec tout ce qui était sacré pour moi, parce que si ces outils-là ont été nécessaires et ô combien transformateurs dans ma vie, j'ai envie encore une fois de l'offrir. Je ne peux pas garder ça. Moi, je suis pas égoïste. Hein. C'est comme j'ai besoin que ça arrive jusqu'à vous, en fait, parce que ma mission, c'est de guérir les femmes. Donc, je veux pouvoir offrir tous les outils que moi, j'ai été touchée, qui m'ont aidé à faire ce chemin-là. Et la ceinture de lune, en fait, écoute, c'est toute une histoire, parce que c'est Téré, en fait, à Oaxaca, dans la région de Oaxaca, au Mexique, qui a tissé ça. Moi, j'ai connecté avec Angie Yanez, qui s'occupe des rebozos, qui enseigne le rebozo ici au Québec. C'est devenu une grande amie. Et en fait, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai besoin de cette ceinture de lune-là. Je trouve qu'à chaque fois, c'est rouge, c'est blanc. Il n'y a pas d'essence derrière. Moi, j'ai besoin d'avoir cette notion du fil à tisser, en fait, qu'on voit là, parce que c'est ce fil que tu tisses, c'est le fil de la vie, en fait. Donc, c'est une ceinture, historiquement, enfin, dans les traditions mexicaines et colombiennes en particulier, on vient mettre ça sur son nombril pendant la semaine de l'ovulation et la semaine des menstruations. Je dis la semaine, même si l'ovulation dure 12 à 24 heures, mais dans l'énergie en fait que l'on porte, on a une semaine en fait où on est plus dans cette énergie maternante là. On vient porteuse de projet là. C'est vraiment la femme qui prend soin d'elle et que de venir prendre soin de son centre énergétique qui est le nombril, on vient le protéger. Tu sais, il y a des fois on va, je sais pas moi, on va au Costco puis oh, ça nous rentre dedans la foule. Il y a quelque chose. Puis en plus, là, depuis un an et demi, c'est quand même particulier, hein, l'ambiance à chaque fois, où est-ce qu'on s'en va, etc. Fait que moi, c'est un outil de protection. Je le mets même en consultation parfois. Il y a des jours où je vais sentir qu'il va falloir que je le mette parce que il y a un enjeu aussi de remettre à la personne son parcours, de ne pas absorber, parce que moi, je suis tellement dedans que des fois, j'ai absorbé, donc il a fallu ventiler. Mais la ceinture de lune, c'est un outil, moi, qui me permet vraiment de me ramener, en fait, de focusser, de dire, OK, où est-ce que je vais? Où est-ce que qu'est-ce qui c'est quoi la prochaine étape là? Parce que c'est bien beau Luna, hein, mais ça m'a pris un an et demi hein, pour monter tout ce beau truc. Mais tu sais, avec 50 milliards d'idées, ok, c'est comme une étape à la fois, une brique à la fois, peu importe notre projet en fait qui est derrière ça. Et la ceinture de lune m'a aidée. Puis moi, je voulais fallait que ça soit, mais moi je suis une puriste, d'accord? Donc moi, je voulais que ça soit fait par une femme que je connais, que j'ai toute la traçabilité, que ça soit donc commerce équitable, que ça soit avec des teintures naturelles, que c'est vraiment que ça soit fait avec amour et conscience là. Et j'ai choisi le bleu et le blanc parce que le bleu est la reliance en fait avec l'univers, les étoiles, mais c'est aussi la couleur du chakra de la gorge. Et on peut dire qu'en fertilité et dans la féminité au sens large, la gorge, les non-dits là, souvent l'hypothyroïdie, si on rentre dans la biologie des croyances, ben oui, c'est associé au chakra de la gorge. Donc bleu pour moi, c'était super important, puis c'est ma couleur préférée au passage. Et blanc parce que c'est le chemin, c'est la sagesse. Et cette reliance-là, de mettre les deux ensemble et de dire, mais oui, mais peut-on honorer chaque étape déjà que j'ai faite? Tu sais, on veut toujours plus, on veut toujours une étape de plus, on veut toujours être rendu là-bas, là, tu sais, mais là, maintenant, tout de suite, quand on regarde en arrière,
Est-ce que je suis fière du chemin que j'ai parcouru? Fait que moi, c'est important que le blanc, donc honorer son chemin, se retrouve aussi en fait dans cette ceinture-là. Puis je suis ravie que tu l'aies reçu, que tu l'aies senti toi aussi, parce que voilà, c'est pour moi un outil. C'est minimum 2 semaines par mois. Puis ça dépend des jours. Il y a des jours, je vais aussi la mettre parce que je ressens le besoin de me ramener, de focusser, de cet ancrage-là. Ça fait partie de mes outils d'ancrage complètement, ouais. Et ça, c'est un de mes produits phares. Enfin, il y en a plusieurs, mais lui, c'est un de mes chouchous. Donc, on vous invite à aller parcourir la boutique en ligne, parce qu'il y a vraiment de belles pépites, des beaux produits vraiment très, très particuliers, uniques à toi, Laurence. Puis, on comprend en plus toutes les symboliques qu'il y a derrière chacun d'eux. Donc, on vous invite à aller visiter cette boutique. Alors, on a quelques questions pour toi, Laurence. C'est drôle parce qu'on en a parlé quand on a préparé justement cette entrevue. Évidemment, depuis 15 mois maintenant, on est dans la crise hein, de la COVID-19, dans cette pandémie-là. Il y a une participante qui nous dit, est-ce que vous avez aperçu une augmentation, vu qu'il y a du stress énorme évidemment depuis 15 mois, une augmentation justement des demandes de femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, puisqu'on sait que le stress est un des facteurs qui peut jouer sur l'infertilité. Oui, c'en est un et c'est pas le seul. Et c'est vrai que bah, la demande est, elle est en constante augmentation en fait depuis, moi j'ai commencé en fait, c'est automne 2015, oui c'est ça, automne 2015, la demande moi est venue me stresser tellement, au début je donnais mon numéro de téléphone mais les gens m'appelaient le samedi, le dimanche, sans aucun filtre en fait, parce que la détresse est tellement importante que moi, c'est venu me chercher, en fait, même moi, dans mon rôle de thérapeute, je peux plus, en fait. C'est pour ça qu'on a créé Étincelle de vie, une clinique vraiment dédiée, en fait, à la fertilité et la féminité. Et j'ai 2 collègues qui prennent le relais avec moi parce que c'est trop, en fait. Et c'est une augmentation constante. Puis je peux vous dire aujourd'hui, avoir un suivi en clinique de fertilité, c'est minimum 6 mois d'attente. Et à Sherbrooke, c'est 18 mois d'attente. Tu sais, Montréal, c'est entre 6 et 9 mois, en fait. Là, Procréa vient de fusionner avec la clinique OVO. Donc là, il y a tout un enjeu aussi là-dessus. Parce qu'il y a des patients qui ont été transférés, en fait, d'une clinique à l'autre. Donc oui, c'est une constante augmentation. Un jour, il va falloir agrandir l'équipe. Ça, j'en suis convaincue. Puis, on a la chance, en tout cas la chance, la chance d'accompagner partout dans le monde parce que bah, merci Covid, hein, on a pu passer aussi à cet accompagnement en ligne. Moi, j'étais très bureau avant, puis là, tout est, y a pas de frontières finalement. Donc, j'ai autant accompagné des gens beaucoup, beaucoup au Québec, là, on ne va pas se le cacher, mais Europe, Égypte, Amérique du Sud, on les a fait en anglais aussi. Là, c'était un bon challenge, mais j'ai aimé ça en fait. Donc, oui, la demande est en constante augmentation et pour moi, la clinique Étincelle de vie, on n'en est qu'au début. Elle augmentera en fait en effectif parce qu'à un moment donné, mes collègues seront débordés, elles aussi en fait. Moi, je ne prends plus de nouveaux clients par exemple. Donc, c'est une réalité, oui. Alors, une deuxième question qui concerne évidemment un sujet un peu touché, donc qui est évidemment la vaccination. Alors oui, la vaccination contre le Covid ou la vaccination en général, est-ce que ça peut avoir un impact, du moins de ce qu'on sait avec les recherches qu'on a, est-ce que ça peut avoir un impact sur justement les mamans qui veulent tomber enceinte, puis celles qui sont enceintes, qui se font vacciner pendant qu'elles sont enceintes, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le développement du fœtus puis de l'enfant après? Question touchy, mais merci de la poser parce que je pense que j'ai 3 messages par jour sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là, donc c'est une vraie réalité. En fait, en clinique de fertilité, on dit aux couples, allez vous faire vacciner, mais vous attendez un cycle menstruel complet avant de repartir en insémination ou fécondation in vitro. Ça, c'est la réalité médicale. Ce qu'on fait en naturopathie, c'est qu'on va prendre un cycle de précaution un peu plus large, on va dire 3 mois. Moi, j'ai décrété que c'était 3 mois, j'ai triplé parce que on ne sait pas hein, l'incidence, on va la savoir dans 10 ans, hein. J'ai malheureusement pas la bonne réponse à ça, mais donc je préfère dire je prends 3 mois, le temps de toute façon naturopathie, il faut qu'on travaille pendant 3 mois, donc si vous êtes dans un protocole, vous savez que vous allez vous faire vacciner, ben, il y a des protocoles pour accompagner la vaccination avant et après la vaccination. Est-ce qu'il y a un impact sur les gamètes? Point d'interrogation, on vient, bah en tout cas pour le Pfizer et le Moderna, on vient modifier l'expression génétique. C'est comme ça que je suis devenue maman, j'ai modifié mon expression génétique. Donc oui, c'est censé être très ciblé, mais est-ce qu'il y aura des dommages collatéraux plus larges? Est-ce que vous avez l'enzyme qui permet de venir faire une modification dans votre ADN? Ça, malheureusement, on ne le sait pas en fait. Donc, j'ai pas la bonne réponse. Moi, j'ai tendance à dire, bon, il y a 2 doses, on est dans une réalité pandémique. Si vous désirez aller vous faire vacciner, ben, vous prenez 6 mois off en fertilité.
faites vos vaccins, profitez de ces 6 mois pour être accompagné avec une stratégie naturopathique très ciblée à votre besoin et en plus dans votre vaccination. Prenons soin de votre terreau fertile, comme on a si bien dit, et après ça, on passera en essai bébé. Là, si quelqu'un a 41 ans, il me dit « Ah oui, super, mais moi, ma fécondation in vitro, il me reste peu de temps. » Enfin, ouais, c'est ça, c'est jusqu'à 42 ans et 11 mois les ponctions. Je sais qu'on est tout le temps en train de vouloir être enceinte pour hier, mais ça prend du temps. Donnez-vous la chance, c'est minimum 3 mois, puis généralement, on est sur du 6 mois pour les succès dont j'ai parlé. C'est en dessous de 6 mois, c'est comme… Oui, ça dépend si vous êtes en fécondation in vitro, en insémination, c'est quoi votre histoire, c'est quoi vos pathologies. Il y a plein d'enjeux. S'il y a infertilité inexpliquée, que vous n'êtes pas rendu à la clinique de fertilité, ça sera peut-être moins de 6 mois. Si j'en ai une vingtaine, 25 qui sont tombés enceintes comme ça, mais là, on pourrait me reprocher le hasard. Mais moi, je pense qu'il manquait juste le petit déclic en fait, à ces 25 personnes-là. Fait que prenez le temps, faites votre vaccin si vous pensez que c'est la bonne chose, mais prenez un 6 mois off, puis après ça, vous repartirez en fécondation, en insémination, en fertilité naturelle, peu importe là, mais prenez ce temps-là parce qu'on n'a pas de recul aujourd'hui. Et en ce qui concerne les grossesses, c'est encore une fois hyper touchy parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, donc je ne parle pas de l'AstraZeneca et du Johnson & Johnson, il y a trop de risques de thrombose. L'AstraZeneca a quand même été refusée dans 12 pays européens, donc je m'attarde moins à ça. Puis on pourrait quand même faire un lien parce que les fausses couches, en fait, le premier argument qu'on nous donne tout le temps, c'est « Ah, on va aller vérifier ta coagulation sanguine ». C'est vrai, c'est une piste, en fait, de fausses couches, sauf que c'en est une parmi 12. Donc, moi, je l'ai eu 2 fois, en fait, dans ma clinique en 6 ans. Fait que, après, c'est biaisé, c'est ma réalité, c'est pas des études, là, mais quand même, ça montre à quel point aussi la coagulation n'est pas toujours au cœur des fausses couches. Donc là, si en plus de ça, vous avez eu des fausses couches, non, on n'allait pas vers de l'AstraZeneca et des Johnson & Johnson, parce qu'on ne sait pas, en fait, est-ce que ça va être un impact sur votre grossesse. Il n'y a personne. Malheureusement, là, j'aimerais tellement vous dire blanc ou noir, mais j'ai que du gris et je ne sais pas encore comment naviguer là-dedans, ne serait-ce que vous dire prenez 6 mois off. De toute façon, je sais que ces 6 mois-là vont être mis à bon escient pour travailler de manière stratégique sur votre fertilité. Exactement. Écoute, merci pour ta réponse parce que c'est vrai que c'est toujours un peu délicat et puis comme tu dis, on n'a pas assez de recul en fait pour se prononcer pour ou contre. Donc merci pour tes éclaircissements. Une dernière question sur l'endométriose parce que tu en as plusieurs fois parlé. Effectivement, une dame qui dit est-ce que, oui, effectivement, de plus en plus on en parle. Est-ce qu'il y en avait autant avant mais qu'on en parlait moins? Je sais qu'il y a beaucoup de personnalités célèbres qui maintenant font un petit peu leur coming out et puis disent qu'elles souffrent de ça. Est-ce que tu as une explication? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui souffrent de cette maladie-là? Mais c'est sûr que le diagnostic d'endométriose est très compliqué parce que ça prend, je crois que c'est 7 à 10 ans pour enfin avoir ce diagnostic d'endométriose. Parce que c'est, prenez un peu de sac magique, là, venez mettre de la chaleur pendant vos règles, puis ça va passer. Ça dépend de l'ouverture du médecin face auquel les femmes ont été. Est-ce que oui, on en parle plus parce qu'on n'arrivait pas à mettre ce diagnostic-là avant? Possible. Et moi, je me souviendrai toujours parce que ça a été ma bête noire en naturopathie. Là, franchement, je vous le dis en toute transparence, ça a été ma bête noire, l'endométriose. Je n'y suis pas arrivée en grossesse naturelle. J'ai juste une de mes collègues naturopathes hyper à cheval et qui s'est fait un protocole pour elle que je n'aurais même pas osé faire moi-même, qui a réussi en fertilité naturelle. Donc, oui, j'y suis toujours arrivée, mais en fécondation in vitro. Même en insémination post-opération, j'y suis pas arrivée. Puis je vais faire le jeu, là, c'est en équipe, nous n'avons pas réussi. Là, pour enlever toute la responsabilité sur mes épaules. Mais l'endométriose, en fait, j'avais été dans un congrès de fertologues au CFAS, en fait, en septembre 2018. Et je me souviendrai toute ma vie, il y avait ce médecin qui faisait une conférence sur l'endométriose. Et son titre de conférence, c'était Essayons de comprendre l'endométriose ensemble. Moi, ça m'avait tellement permis de relâcher une pression en disant, attends, même la médecine, en fait, n'a pas les réponses encore. Ils mettent sur pilule, en fait, ils donnent les opérations, en tout cas, quand vous avez la chance d'accéder à une opération aujourd'hui, pour pouvoir enlever ces cellules migrantes. Donc, c'est très, très touchy, en fait, ce sujet-là. Aujourd'hui, moi, j'en vois beaucoup, beaucoup plus. Alors, est-ce que des femmes ont été diagnostiquées? Des fois, c'est des traces d'endométriose. En fait, on donne des stades. Donc, s'il y en a qui ont parmi nous qui ont l'endométriose, elles le savent, c'est de stade 1 à 4, en fait, quand il y a présence de kystes, en fait, de...
d'endométriome, en fait, là, on est dans des stades 3 ou 4. Donc, ça, vraiment, il y a un enjeu, mais ce qui est quand même assez troublant dans cette histoire-là, parce que vous avez entendu mon côté très cartésien, très scientifique, mais aussi très spirituel. Depuis que j'ai ouvert les consultations en soins chamaniques, en fait, donc le chamanisme, c'est d'accéder aux mémoires de l'utérus, d'accéder aux mémoires de la lignée, en fait, de venir voir qu'est-ce qui peut jouer aussi dans des vies antérieures. Puis là, je sais que je change d'univers, mais ça fait partie d'eux. Et en fait, je prends plus de nouveaux clients en naturopathie, mais parce que je veux laisser libre, en fait, ma place aux soins chamaniques, en fait, d'aller aider ces femmes-là, mais d'une autre façon, dans le cœur et dans l'âme, parce que ça bloque parfois. Le corps parle, en fait. Donc, quand il y a un nœud dans le cœur, le corps va finir par le développer. Bref, ça, c'est ma vision. Et depuis que j'ai ouvert ça, eh ben, je n'ai que des cas d'endométriose en soins chamaniques. Donc, c'est quand même assez intéressant de dire, OK, j'ai bloqué, moi, dans la stratégie naturopathique sur l'endométriose en fertilité naturelle, parce qu'avec l'aide des médecins, on y est arrivé, mais en fertilité naturelle, je n'y suis pas arrivée. Mais par contre, en soins chamaniques, d'accéder à toutes ces mémoires, en fait, c'est impressionnant. On est autant dans des femmes qui ont eu, qui ont été, qui sont mortes en couche, que des bébés illégitimes, que génocide au Cameroun, j'en vois de toutes les couleurs, et en même temps, c'est magnifique parce que de ramener ça à la conscience, ben en fait, c'est comme une bibliothèque, de prendre un livre de la bibliothèque puis de dire, OK, ouais, je porte ça dans mes cellules, émotionnellement, énergétiquement, ça a un impact aussi sur mon endométriose, en fait. Donc, c'est pas pour rien, moi, il y a toujours des liens, la cause de la cause de la cause de la cause. Ça, c'est le principe de la naturopathie, c'est de comprendre le pourquoi. Pourquoi il y a ça, puis après, comment on peut modeler avec tout ça. Donc, oui, il y en a plus. Oui, certainement que les diagnostics tombent un peu plus aujourd'hui de par la renommée, on peut dire, qu'on est en train d'amener à cette pathologie-là qui n'a presque pas d'argent en recherche. Mais par contre, il y a des voies possibles, en fait, pour l'endométriose qui vont, pour moi, dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. Ouais. Alors, on a une nouvelle question qui est en fait une naturopathe qui nous dit en tant que naturopathe par quoi commencer avec une cliente de 43 ans qui a un petit poids, donc un IMC de 17 et qui veut avoir des enfants mais qui a un blocage d'avoir des formes, donc de prendre du poids finalement pendant cette grossesse. Ah oui, tout l'enjeu psychologique, en fait. Bon, ma première question, c'est pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui bloque, en fait, pour pouvoir prendre du poids? Bon, c'est sûr que là, je ne peux pas faire un plan stratégique avec ce peu d'informations-là, mais je veux juste mentionner quand même qu'il faut se rappeler que la cascade hormonale, elle commence avec le cholestérol. Donc, si on n'a pas assez de cholestérol, on n'est pas capable, en fait, de produire, en fait, nos œstrogènes, notre progestérone, etc. Je le dis parce que j'ai eu deux beaux cas là-dessus qui m'ont ramené à la base de dire, OK, mais on part du cholestérol. On l'a diabolisé, hein, le cholestérol. Il faut surtout pas avoir trop de cholestérol. Oui, mais il en faut aussi du cholestérol. C'est le principe de toutes nos cellules et on en a besoin pour cette cascade hormonale. Donc, cette personne qui a la peau sur les os, est-ce qu'elle a assez de cholestérol? Déjà, parce que c'est arrivé, moi, dans des prises de sang où la cholestérol a été insuffisante et il fallait le remonter. Puis derrière ça, est-ce que cette personne-là mange des gras ou est-ce qu'au contraire, bah, elle a un trouble alimentaire qui fait qu'elle va surtout pas manger d'avocat, d'huile de coco, parce que le gras n'est pas égal fast-food, là. Mais bon, c'est une naturopathe, elle le sait. Mais manger les gras. Là, ce qu'il faudrait regarder, c'est est-ce qu'elle est capable de digérer les gras? Parce que si elle est keto, mettons, elle mange que des gras, de la viande, etc., mais que son foie et sa vésicule biliaire ne marchent pas, elle sera pas capable de les absorber, donc son taux de cholestérol sera trop bas, et s'enchaînera, en fait, la cascade hormonale insuffisante. Puis regardez aussi du côté de la thyroïde, parce que les petits pois, ça arrive souvent, en fait. Puis là, quand on dit, ce n'est pas des diagnostics qu'on est en train de poser, puis c'est important de le dire, là, c'est d'aller regarder est-ce que le fonctionnement métabolique, en fait, fonctionne oui ou non, en fait. Donc, on n'est pas dans. Moi, j'aime ça avoir les dossiers médicaux, j'aime ça avoir les prises de sang, parce que ça donne des indices, mais hyper précieux, de dire, OK, est-ce que la thyroïde a tous les outils pour fonctionner de manière optimale. Est-ce qu'on a suffisamment de réserves de fer, par exemple, parce que c'est 40% de ton volume sanguin qui augmente en début de grossesse. Donc, bah, si tu manges pas beaucoup de fer parce que tu es végétarien, vegan, et qu'en plus de ça, bah, tu ne métabolises pas,
Oui, ça peut être une des causes aussi de la fertilité. Donc, sur les petits pois, en fait, 42 ans, petits pois, ce que cette personne a décrit, j'irai vérifier la digestion des gras, est-ce qu'elle en mange assez, puis est-ce qu'elle fait sa cascade derrière, puis j'irai vérifier la thyroïde aussi, ouais. Bah, écoute, Entre autres. merci pour ces bons conseils. Effectivement, on ne peut pas diagnostiquer comme ça en ne connaissant pas toute la personne, mais au moins, je pense que c'est des bonnes pistes que tu as données à cette naturopathe. Écoute, il est déjà temps de se séparer, Laurence. On restera avec toi des heures et des jours, tellement tu es passionnante et puis du coup, vraiment un sujet super intéressant et important encore plus de nos jours. Alors, écoute, merci infiniment d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On te souhaite évidemment de belles cohortes, hein, donc à la fin du mois et puis cet automne également. Beaucoup, beaucoup de succès dans tout ce que tu feras. Et puis, on encourage vraiment les femmes qui ont de la difficulté à tomber enceinte, à te contacter. Merci, merci à toi Aurore. Hein. C'est un plaisir. Vitalité Québec, c'est tu l'as nommé au début. Moi, ça fait maintenant des années que j'écris en fait. Alors puis que vous aviez, j'ai eu l'honneur que tu me remettes aussi le prix de la relève en 2019 au gala. Et c'est pour moi, hein, c'est ça, c'est comme la suite logique de ce partenariat. Donc merci, merci du fond du cœur de m'avoir amenée ici aujourd'hui. Merci Laurence et à vous qui nous regardez en direct et qui va nous regarder en rediffusion. Merci infiniment d'avoir été avec nous et on se dit à très vite pour un prochain Midi Vitalité.